l'Assemblée nationale où se tient en ce moment. Qui m'a envoyé vidéo de celle-là? L'entrée parlementaire de la première mandature de la Troisième République et nous allons assister en direct. Tu es sur Facebook, tu ne peux même tu te promènes sur Facebook, tu veux voir tes bonnes choses. C'est les gens comme ça là, tu vas voir. Alors, je passe l'antenne pour que nous puissions voir en direct cette présentation et le débat de deux de nos députés. Pourquoi tu veux que j'arrête? Je vais voir ce qu'elle dit. Ouais, c'est vrai, elle m'énerve, mais je peux voir quand même. Elle fait rire souvent quoi. Ah, je vais voir jusqu'à la fin ce qu'elle veut dire. Ça, mes yeux, je regarde. Si je veux la regarder, je la regarde. La première entrée parlementaire de la première mandature de la Troisième République. Alors, je vais céder l'antenne à mon collègue. C'était juste un scoop pour que vous puissiez voir comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Vous aviez deux de nos députés qui devaient présenter un projet, qui devaient défendre devant nos collègues. Alors, nous avons pris un biberon. Député Ibier Kisset et nous avions. Je regarde, ça a tes yeux, je regarde. Quoi? Je n'aime pas, mais je laisse pas. C'est comme ça, hein. Ça veut dire que ta vidéo, là, quand ça passe, là, les pros, si tu as un jour critiqué leur pro, là, tu deviens leur ennemi. Donc, si ce que tu fais, là, même si ça fait rire, là, ils ne veulent pas rire. Parce que tu as, selon toi, attaqué leur Dieu. Tous les pro là, c'est comme ça ils sont. Mais pourtant, ils sont toujours en train de regarder ce que tu fais. Mais tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Les pros. C'est dans ça qu'on est arrivé, Yana. Donc, à cause de ça, tu deviens ennemi de quelqu'un. La personne t'en veut à mort parce que tu as attaqué son pro. Donc, on est dans palabre de pro. Donc, on ne sait plus toi, tu es quel anti. Puisque pro ça, tu as critiqué. Pro, tu as critiqué. Tous les pro là, tu les as critiqués. Le jour que tu critiques un pro, tu deviens un anti-pro. Le jour que tu critiques l'autre pro là, tu deviens un anti-pro du pro. Maintenant, le jour que tu critiques un autre pro, tu deviens un anti-anti-pro du pro.
Est-ce qu'on va s'en sortir avec vos pros là? Donc voilà où. On n'aime pas ta tête parce que tu as critiqué. Tu deviens ennemi mortel. Ennemi à mort. Si on n'a pas fait vidéo pour te répondre quelque part là-bas que tu n'as pas vu, on t'attend au tournant. Même ce que tu fais qui fait rire là, on ne veut pas rire. On fait tout, mais ça va nous faire rire quand même. Et faisons un effort. Et soyons pro-Côte d'Ivoire. Soyons pro-Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tous les pros. Tous les pro. Anti. Si tu n'es pas devenu pro, c'est qu'on t'a acheté. Soyons pro-Côte d'Ivoire. C'est mieux.